Michel, c'était la reprise du championnat fédéral 1 ce dimanche et votre équipe Chambéry s'est imposée largement à Vienne. C'est une reprise idéale pour le stock. Ben oui, effectivement, c'était une reprise idéale. Gagner avec le bonus offensif à l'extérieur, dans la poule dans laquelle on est, qui est une poule très difficile, c'est toujours quelque chose de très bon à prendre. Maintenant, on n'était pas très inquiet parce qu'on avait fait un match amical il y a 15 jours à Mâcon, qui était un match très, 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 très difficile, très engagé, et où on avait constaté qu'on on était bien en place, donc on était quand même relativement confiant pour le match de cet après-midi. Vous jouiez sur la pelouse de Vienne, à l'extérieur, donc, est-ce que vous avez été surpris de gagner aussi facilement, aussi largement, face à des Viennois qui ont paru un peu résignés à un moment dans la partie? Oui, effectivement, je pense que la décision, on l'a faite quand même relativement vite, que je pense que Vienne n'avait pas trop de solutions dans tout le temps de la première mi-temps. Surpris, pas dire qu'on est surpris parce qu'on travaille toujours pour être performant, mais c'est vrai que je pensais que le score serait plus serré au début du match. En tout cas, avec cette victoire bonifiée, vous prenez seul la tête de la poule ce soir. C'est tout parfait pour vous? Oui, je ne dirais pas ça comme ça, parce que Bourg quand même avait joué 4 fois à l'extérieur et avait gagné quand même 4 fois. Et Aubenas aujourd'hui est invaincu avec beaucoup de victoires à l'extérieur. Donc bon, on est dans la course, mais pour l'instant, on n'a pris aucune option sur les deux premières places. La semaine prochaine, justement, ça sera un Chambéry-Bourg chez vous au stade municipal. Ça va être le premier gros test de la saison pour le SOC? Premier gros test, je ne sais pas, parce qu'on a commencé le premier match à Mâcon, donc c'était quand même pas un match facile. Après, on a reçu Romain qui venait avec les dents longues, donc c'était quand même un match difficile aussi. Après, on est allé à Strasbourg, qui a une bonne équipe, où au bout de 30 minutes de jeu, on venait avec le bonus offensif. Et puis finalement, on a passé le point servé, on fait match nul avec le bonus offensif, ce qui fait qu'on a marqué quand même 3 points. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vrai que dimanche prochain, ça va être un match de notre niveau.